et à vous remercier pour vos remarquables émissions et pour toutes les informations que vous nous donnez. Vous êtes une des dernières voix qui ose s'exprimer librement dans le monde, on va dire. Et votre intelligence et vos connaissances méritent d'être saluées. Ça, c'est le premier point. Merci. Ensuite, je vous écoute toujours avec, bien sûr, beaucoup de plaisir. Et aussi, également, je trouve que vous mettez toujours des musiques extraordinaires dans vos émissions. Bon, en dehors de cela, pour revenir au problème de l'Afghanistan, eh bien, écoutez, je trouve ça désastreux que les gouvernements n'interviennent pas. Mais c'est-à-dire que tout le monde est muet. On a sorti une nouvelle arme. Le gouvernement mondial a sorti une nouvelle arme pour faire taire les gens qui s'appelle le Covid. Et il semble que tout le monde soit endormi. Et effectivement, c'est inadmissible que les informations ne circulent plus. Moi, j'avais reçu une vidéo via la Malaisie qui montrait ce qui se passait dans les villages afghans quand les talibans sont entrés, et c'est absolument horrible, les fillettes qu'on arrache à leurs parents, etc. Bon, ceci dit, moi je ne suis pas étonnée que les gouvernements ne bougent pas. Je fais un parallèle avec ce qui s'est passé quand les nazis ont commencé à pourchasser les juifs et que aucun gouvernement de l'époque ne voulait les aider, ni avant ni après d'ailleurs. Ensuite, quand on voit les Chinois qui ont envahi le Tibet, bah écoutez, personne n'a bougé non plus. Donc je fais une forme de parallèle. Bon, il y a beaucoup d'exemples, d'autres exemples, mais ceux-là sont peut-être les plus marquants. C'est vraiment regrettable qu'aujourd'hui, pas un seul gouvernement, pas l'ONU, pas personne, laisse faire tout ça parce qu'il y a des intérêts et des enjeux. Je crois qu'il y a du gaz ou un couloir qui s'ouvre pour des intérêts chinois ou autres, et on laisse massacrer un peuple. Donc ça, c'est vraiment horrible. Et je ne sais pas comment on peut protester, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais c'est vrai, personne n'en parle. Il n'y a plus d'informations, on continue à nous bassiner la tête avec des vaccins, etc., et on laisse mourir les gens. Donc on est bien, comme vous le faites remarquer dans vos émissions, aux mains d'un gouvernement mondial, aux mains ou entre les mains d'une poignée de gens qui dirigent le monde pour ses propres intérêts. Et je ne sais pas quand les peuples vont se réveiller. Il semble que tout le monde est endormi. Alors je voudrais faire un parallèle avec ce que disait Aldous Huxley. Aldous Huxley, j'ai vu récemment un document, en français d'ailleurs, c'était sur la fin de sa vie, quand il vivait à Hollywood, et c'est un document filmé, je ne sais pas où est-ce qu'on peut le trouver, parce que je ne l'ai pas vu, c'est pas moi qui l'ai trouvé, et il dit une chose qui est très juste, parce qu'il voit l'avènement de la télévision, et il dit que la société future serait une société où les gens ne penseraient qu'au divertissement, le divertissement pour occuper leur esprit, et que en quelque sorte on créerait un asservissement des gens à toutes ces formes de divertissement qui serait un peu comme l'opium. Voilà, c'est l'opium, le nouvel opium du peuple, c'est le divertissement. Et il est bien vrai que on peut constater que dans notre société, ben, les gens sont à se divertir, c'est les jeux vidéo, les séries, télévision, bon, qui peuvent être intéressantes, mais quand on en consomme 24 heures sur 24, c'est peut-être un peu trop. Bon, enfin, il y a plein d'exemples de cela. Donc, on est bien dans ce monde du futur que prévoyait Aldous Huxley. Une société, d'ailleurs, il disait que de toute façon nous aurions l'apparence de la démocratie, mais que ce n'était pas vrai, parce que le monde serait structuré par des organismes où, à tel niveau, l'un rendrait compte à celui qui est au niveau du dessus, et du dessus, et du dessus, et du dessus, en pyramide, et qu'en fait, personne ne saurait qui contrôle et qui dirige. Voilà.
Donc je voulais faire un peu ce parallèle pour la première partie de votre émission et la seconde partie, bien sûr, l'Afghanistan, où c'est c'est inadmissible, inadmissible. Voilà. Et je ne sais pas comment on peut aider ces gens qui se défendent là dans le Panjshir. Je ne comprends même pas que, je ne sais pas, qu'il n'y ait rien. Voilà. Merci, Miss Danielle. Voilà, donc je ne sais pas si je vais dans le sens de vos bien sûr, de votre bien émission. Sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Et je vous remercie de bien continuer vos émissions qui nous aident beaucoup à être informés. Merci. D'accord. Voilà. C'est d'accord. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Je crois que je dois repréciser et comme quoi c'était 1er ou 2 septembre, commandant Massoud, c'est-à-dire Ahmad Massoud, à partir de maintenant, nous avons commandant Massoud 2. Voilà. Il m'a chargé, puisque j'avais une réunion avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. J'ai demandé s'il a des choses à dire. Alors, voilà, pour me le transmettre. Il m'a dit des choses, mais après, avant d'entrer dans la réunion, son bras droit et son ami, qui était ami de commandant Massoud, son père aussi, il s'appelait Fahim Dashti. Fahim Dashti, qui était un grand écrivain, était avec commandant Massoud en 2001, au moment qu'il était tué. Fahim Dashti, il est devenu, il était là, mais il était blessé, il est resté vivant. Il était à côté de son fils, Ahmad Massoud, qui à l'époque, il avait 11 ans. Après, il est devenu assistant de Ahmad Massoud. Voilà. Il était toujours à côté de lui. Il était patron de syndicat des journalistes d'Afghanistan, à l'époque de Karzai aussi, écrivain, plusieurs livres, il avait écrit, un grand journaliste, et rédacteur en chef de deux magazines qui, à l'époque de Massoud, commandant Massoud Ier, il sortait. Alors, il m'a dit, tous les deux, c'est-à-dire Ahmad Massoud et Fahim Dashti, ils m'ont dit, on ne veut rien demander de la France ni d'autres pays. On ne veut pas de l'argent, nous. Seulement, nous voulons dans notre pays en liberté, notre peuple en liberté, les femmes en liberté. On ne force pas les femmes d'entrer dans les bourgeois et tout ça. Et surtout, il a précisé, puisqu'il aurait une réunion avec Taliban à Doha, avec président Macron, qu'il fait la pression, qu'il laisse un peu un gouvernement que toutes les couleurs politiques d'Afghanistan soient dedans. Parce que Taliban, s'il aurait des élections, peut-être il va avoir quelques centaines, non, quelques dizaines, même non, je ne sais pas, 10-15% si on veut voter. Le peuple afghan, en majorité, il est contre le Taliban. Alors, un gouvernement, la demande d'Ahmad Massoud était de soutenir un gouvernement qui soit d'abord laïque et deuxièmement soit mosaïque de l'Afghanistan. Alors le soir même, quand j'ai fini mon réunion avec Gérald Darmanin et que je voulais diffuser, c'était là-bas 3 ou 4 heures du matin en Afghanistan. Ici, c'était minuit, 1 heure du matin. Quand je parlais avec Fahim et Dashti, je lui ai dit que j'ai compris de la réponse que le ministre de l'Intérieur il m'a donnée, que malheureusement, il n'aura pas d'aide européenne, comme Daniel vient de dire, ou de n'importe où, que Taliban.
Ils deviennent minoritaires en Afghanistan. Non, c'est déjà décidé et ça va passer comme ça. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé après 2 jours? Après 2 jours, avec un Durand pakistanais, Fahim Edashti, il était dans la voiture d'Ahmad Massoud. On a frappé cette voiture en pensant que peut-être Ahmad il est dedans, mais Fahim Edashti il est tué. Il a été tué, Fahim Edashti. C'est un grand deuil pour la résistance afghane. Et j'ai des conversations qu'il m'avait envoyées. C'est un type formidable. J'ai eu beaucoup de mal au moment que j'ai entendu qu'il a été assassiné. Alors, pour rester encore dans l'histoire, pour que vous soyez au courant, je veux vous diffuser une minute, la question. Le message que j'ai transmis en direct à Gérald Darmanin et la réponse, vous allez voir, à la fin, c'est seulement ce qu'il m'a répondu. Il a dit, ça concerne Macron, je vais le transmettre le message. Et il avait bien transmis, il y a déjà un mois, ce message. Bonjour, monsieur le ministre Gérald Darmanin. Je suis un messager ce soir de Paris-Chine d'Afghanistan. Monsieur le ministre, votre conférence au Qatar, dans les jours qui viennent, intervenir pour sauver Panjshir, qui soit indépendant de Taliban, pas indépendant de l'Afghanistan, il précise, indépendant de Taliban comme Kurdistan d'Irak. Et concernant le drogue, immigration et terrorisme, vous devez savoir, monsieur le ministre, que Daesh, actuellement, il est en guerre avec le Taliban. C'est un danger, l'immigration, etc. Tous mes remerciements, si vous permettez, je vais enregistrer votre réponse. Merci. Alors, Gérald Darmanin, seulement, il m'a dit qu'il va transmettre le message à président Macron, à l'époque, c'est-à-dire il y a déjà un mois de ça, Panjshir n'était pas encore à la main de Taliban. Et à l'époque, environ 200 000 personnes n'étaient pas en dehors de leur foyer ou n'étaient pas encore massacrées, et plusieurs centaines, peut-être dizaines des enfants n'étaient pas devenus esclaves dans les harems de Taliban. Des petites filles, des petits garçons. Les Afghans, ils ont honte de dire ça. Ils ne disent pas. Mais c'est la réalité. Il y a des propos, des preuves. Les Talibans eux-mêmes, ils disent... quand on attaque quelque part, on tue les hommes et on prend comme... qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Pour utilisation sexuelle, les filles, même à partir de 9 ans, ils disent ça, hein, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire, c'est incroyable, mais dans le 21e siècle, ils disaient, moi dans mes émissions persanes, qui est diffusé dans le monde entier par satellite. Je diffusais ça et même les Afghans, ils diffusaient les propos de Taliban qui coupent les mains, qui coupent la tête, ils égorgent les gens, ils ramènent des camions, ils remplissent des enfants, filles ou garçons dedans et les ramènent pour profiter sexuellement. Voilà. Après, il y a même des films, voilà, malheureusement. Et c'est comme ça, mes amis. La tristesse de notre époque. Et Daniel, elle a bien dit. Quand les nazis ils ont commencé à massacrer les juifs, les autres ne pensaient pas que ça pouvait arriver chez eux aussi. Puisque c'est ça, après ça, Hitler, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de la frontière d'Allemagne. Et encore... encore, j'ai le propos d'un des patrons, ministres de Taliban,
Nous avons le... existe sur l'internet, existe. Vous pouvez aller chercher, après demander à quelqu'un de vous traduire. Écoutez, il dit notre chef Habatullah Akhundzadeh, chef de Taliban. Il dit il est Amir al-Mu'minin. Amir al-Mu'minin, c'est comme calife, mais encore plus fort que calife, parce que calife, il peut gouverner dans certaines provinces, pays, tout ça. Mais quand on dit Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire il est le commandant, le chef de tous les croyants. Et il dit lui-même, il précise, c'est très intéressant ça. Écoutez bien, mes chers amis, tous les ministres, présidents, écoutez, vous aimez votre pays, vous aimez l'humanité, vous devez le comprendre, vous devez savoir qu'est-ce qu'il dit dans leur langue. Il dit notre Amir al-Mu'minin, il est patron et chef et commandant de tous les croyants dans le monde. Et il précise certains pays aussi, etc. Mais il dit aujourd'hui, malheureusement, nous, on ne peut pas dire qu'on veut conquérir le monde, puisqu'on va avoir des problèmes avec tout le monde. Mais on dit Afghanistan. Voilà. Après, bien sûr, les autres pays qui ne sont pas encore sous notre autorité, on ne dit pas maintenant, mais... C'est très important. Cette personne, il est un des chefs. C'est-à-dire, tous les talibans sont comme ça. Talibans, ils pensent que l'islam doit conquérir le monde. Comme c'était l'idée de départ, il est sorti de péninsule d'Arabie Saoudite. Les Libanais n'étaient pas musulmans. Les Irakiens n'étaient pas musulmans. Les Pakistanais, Iraniens, Marocains, Tunisiens, Algériens n'étaient pas musulmans. Il y a déjà 1350 ans, on a attaqué, comme les talibans d'aujourd'hui, parce que parmi les talibans, c'est les Afghans eux-mêmes qui le disent. Il y a des soldats pakistanais, européens, des gens qui même pas, ils ne parlent pas personne là-bas. Et, parmi les soldats. C'est comme Daesh. C'est, l'islam, c'est international. Et c'est danger, comme Daniel, il a dit, la danger est grave et soyez sûr de certains qui vont sortir de leurs frontières. Comme je dis à Gérard Darmanin, vous savez, les talibans, trois problèmes ils vont ramener qui concernent le ministre de l'Intérieur. Trois, c'est le drogue. Une grande partie de drogue d'Europe, il vient de l'Afghanistan. Deuxièmement, c'est l'immigration. Et actuellement, comme M. Azizi nous a dit, 80% du peuple afghan, il a des problèmes. C'est-à-dire qu'il y aurait une émigration de 5 à 10 millions de personnes qui vont sortir de l'Afghanistan. Et c'est le projet du gouvernement mondial. La mondialisation, il veut changer l'image de l'Europe. Il veut le changer. Il veut le changer. C'est pour ça les émigrés des pays musulmans en ouf. Voilà, venez. Et d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, et l'image, démographie des pays européens va changer. C'est le projet. C'est le philosophie de la mondialisation. Alors, drogue, immigration, et après c'est quoi? C'est terroriste. Terrorisme. Taliban, c'est un mouvement terroriste. L'islam politique, c'est des terroristes. Ils ont déjà fait des actes depuis un mois qu'ils sont en pouvoir en Pakistan. Pourquoi? Pour forcer M. Imran Khan de soutenir de plus ces gens-là, puisqu'il était allé en Tadjikistan et il a dit certains mots qu'il n'aimait pas. Tout de suite, deux, trois actes terroristes, ils ont fait en Pakistan. Vous n'êtes pas au courant, on ne vous dit pas ça. David Abbasi, il écoute les informations dans 5 langues. Je l'écoute en 5 langues. D'accord? C'est pour ça, n'importe quoi qui se passe à droite et à gauche, on est au courant, on le voit. Mais de temps en temps, on ne veut pas que nous entendons des choses. Ça, c'est autre chose. Malheureusement. Malheureusement, mes chers amis. Allez.